Là, on speedrun, hein, je vous le dis directement. Hop, tac, tac, tac. Je connais le chemin par cœur. Je connais le chemin par cœur. C'est mon main game. Encore une fois, c'est mon jeu, les gars. On a vu Poker Race. Je suis le seul et l'unique. Kalian, bonjour. Ce bon vieux rose bouton. Ah putain, ouais, il faudrait peut-être le mettre dans le PC là actuellement. Après, le problème, c'est que le bon seul Pokémon est mort là. En fait, là, on va en capturer un. On va en capturer un dans les nouvelles zones, les nouvelles zones disponibles. Après, on va relâcher ce bon vieux escroco qui a tout donné malheureusement, mais qui s'est fait abattre quoi. Ok, les gars, Pokémon deux zones. Hop, let's go. Si on peut taper autre chose qu'un Magikarp pour une fois, ce serait vraiment cool. Oh, jure! Je sais pas si c'est mieux qu'Aléviator, mais c'est fun en tout cas. Let's go! On va l'appeler. Allez, BBC. Puisqu'il grossit comme une énorme bite. Nouvelle zone, attention. Granivol, ça pue la merde, mais on va le prendre. On l'appelle Flop. Allez! Alors, il me semble que mon escroco était niveau 30, du coup, je peux les mettre niveau 30, mes Pokémon, encore une fois. Comment il fait grossir sa bite, là, le petit poisson, les gars? Comment il devient un gros truc dégueulasse? Un combat, c'est random, je crois. Ah ouais? Il devient Pokémon du jeu. Froussardine, c'est pas nul, les gars. Froussardine, ça a 140 de puissance, les frères. Hein. Let's go, Cotovol. Il me semble qu'il apprend un acrobatie, Cotovol, c'est pas dégueu, ça. 140 de puissance de Froussardine, ça vient de sa forme blanc. Sa forme blanc. Ouais, ouais, sa forme blanc. Ah oui, mais c'est sa forme blanc, c'est quasiment tout le temps, non? Alors, lui, il apprend tarif, hein. Merde, j'ai pas pris d'attaque. Attends, il a Brine, mais je sais pas si. Je peux lui en apprendre d'autres d'avant. Ok, il est encore type sol, j'ai l'impression. Ou non, en fait, c'est juste que mon Pokémon est trop fort. Mec, il a l'air vraiment fort, Froussardine. Hein. Alors lui, il est Oyo Right Flying. Attends, Oyo. Ouah, c'est une blague d'anglais, frère, que j'ai pas du tout. Hein. Oh, il est Guise quand il passe en forme gros. Ok, il devient Guise du coup. Polo, enfin, Pillow Fight, c'est Guise. Ça tape 2 à 5 fois, d'accord. Fight Attack, Brin, Takedown. Oyo, c'est une blague TikTok, frère, normal, tu connais pas. Ok, c'est ce qui me semblait. Wing Attack. Oh là là, le mode Little, il aime pas du tout ça, j'ai l'impression. Oh là là, lui il aime pas non plus. Oh là là, il aime pas le Pillow Fight. Oh là là, il a pas aimé le Pillow Fight. Oh, il a pas du tout apprécié. Ah, nouvelle route. Ah, un trompignon. Gaulé, c'est pas mal, hein. Il est que sus. Let's go! Par son. Il a même pas besoin d'être rename. Son évolution s'appelle littéralement Among Us. Alors, on va l'appeler Among Us, bien évidemment, mais. C'est littéralement le nom. Je n'y suis pour rien pour le coup. C'est vraiment son nom, quoi. Il évolue tard, j'imagine, vu que c'est un Pokémon de la 5G. 39. Putain, mais l'enfoiré, 39. Mais tu sais ce que c'est, le niveau 39, toi? Oh, jure, il apprend Vent! Mec, c'est trop drôle. Hide in a vent the first turn and strike the next turn. Non, c'est trop marrant. Ça fait du bien de se refaire une team. Putain, j'en avais marre d'avoir qu'un seul Pokémon qui traîne sur mon équipe et tout là. Même si j'aurais aimé garder Escroco, quoi. J'aurais aimé garder Escroco pour être honnête. Hein. C'était vraiment un goat lui aussi. Hein. Putain, mais quel goat, quoi. BBC va apprendre Beat Up. Simon Party Pokémon to join in the attack. Je pense que je vais jamais faire de ma vie Feint Attack. Du coup, j'ai envie de tester. Ça va. Ah! Ah, d'accord, j'ai compris comment ça marche. Oui, ok, c'est de la merde, d'accord. Après, peut-être que ça dépend de la force des Pokémon dans ta team. J'en ai aucune idée pour... Jure, le type gamer est faible au type eau. Non, ils sous-entendent qu'on prend pas de douche, les fils de pute. Waylord, de quel type il est, le cochon? Smash! Je résiste, t'es même pas stabé en plus. Surf. Il est faible, et c'est dehors. Ouh, loulouloulouloulou, il fait peur là, le loup-garoc à gauche. On va soigner ce bon vieux Cotovol et on va faire Bullet Seed sur lui parce que je pense qu'il est encore roche. Ça l'a pas soigné! Il tarasse! Fais 5 au moins, fais 5. Allez, nique ta mère, c'est bon. Non, c'est pas mérité, c'est pas mérité, c'est pas mérité. Bah oui, bah il est mort, bah oui. Non, c'est pas mérité, il devait pas mourir! Putain, mais ça casse les couilles ça! Ce jeu de con là, fait voir des cons! Allez, voilà, tu meurs, sale con, va! Allez, un petit coup de vent là, viens, va sous terre à mon Gus. Va sous terre, va sous terre, va sous terre. Alors, vu que mon trou de balle de pote est sous terre, je peux faire surf. Oula. J'ai perdu. Fais deux. Fais deux. Fais... Oh putain, yes. Oh, j'ai eu trop peur. Surf. Normalement, il est pas touché, ton pignon. Il est mort, pas de soucis. Lui aussi, il est mort. Ok, let's go. Fou! Ce combat était terrifiant, on a quand même perdu Flop. Hein. Alors les gars, on prend pas de risque. Pour rappel, faut battre la team Aqua et à droite, il y a le rival. Jure, une nouvelle route? Attends, attends, est-ce que c'est une route avec un coin d'herbe ou pas? Je crois que c'est une route où il y a genre aucun coin d'herbe. Ça me dit un truc de ouf. Malheureusement, j'ai bien l'impression que c'est une zone sans herbe ici. De quel type est ce bon vieux Tangalis? Il est Bean Ugly. Un troisième? Merci. Pour une fois, merci. Et bien c'est le goat, c'est un goat. Eh, hey, il a plutôt évolué mon sus d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Encore 3 niveaux, je crois. Allez, go team Aqua. Et Crapince, niveau 28. Oh ouais, c'est vraiment... Ah oui, un peu légèrement flop la team Aqua. Hein. Ok, crabe faible type Guise.
Pourquoi, je sais pas. J'ai la flemme de double combat parce que Oyakata est trop fort. Oyakata est trop fort et quand je fais surf, ça touche Trompignon et Trompignon peut prendre trop cher. Pourquoi le type gender est super efficace contre le type guys? Ou le type little? Si c'est le type little, vous êtes, c'est des gros homophobes, hein, je tiens à le dire. Oh bordel de merde! Oh putain de merde! Merci! Oh, c'était quoi ce Pokémon de fou, frère? Il était trop énervé, hein! On a bientôt fini le repère à quoi? On arrive bientôt à la 6ème arène. Quel type cette connerie? Grassbin. Mais je suis vraiment overlevel ou c'est eux qui puent la merde? Merde, il résiste. Cast form, do you give a nickname to this Quoi? Comment ça, un dito? Par Morpheo qui donne d'habitude? Il donne à Morpheo normalement! Voilà, c'est bon, je suis fatigué les gars, voilà plus caca, c'est bon, j'en ai marre. Encore deux niveaux et ce bon vieux Among Us évolue, hein. Et Golé, c'est fort les frères, hein. Bon, allez, il est temps de fight le rival, les amis. Ah putain, mais j'ai trop peur de. Allez, vas-y, c'est bon. On a qu'une vie, les frères, hein. Il envoie Lambre. Dis-moi qu'il est pas plante, dis-moi qu'il est haut, qu'il est pas plante. Dis-moi qu'il. De toute façon, il est niveau 29, normalement, il a aucun buzz. Putain, il est plante! Il est vibe! Faible attack down, ok. Oh, il fait mal le fils de chien. Pas faible à takedown. Mais ça lui a fait mal. Par contre, le recoil m'a fait super mal. Ok. BBC a rétréci. On va envoyer Among Us. Il envoie Slugma. Ok. Je suis sus. Ça devrait aller normalement, j'espère. Dis-moi qu'il me one-shot pas. Qu'il a rien pour me one-shot. Je t'en supplie. Non, ça fait juste quelques dégâts. Allez, vent. Putain, je tue pas. À part un crit, il ne me tue pas, mais j'ai pas envie de prendre de risque, parce que je sens le crit venir. Je sens le crit venir, on va mettre une énergie poseur, ça coûte rien. Et à la fin, il va rester... Putain, peut-être qu'il a un oratoria, hein. Et il est niveau 31, ça va. Franchement, ça va. Du coup, surf, ça va rien faire, il est silly, on va faire pillow fight. Facing, attends, merde. Ça m'endort, fils de pute. Awakening, le bel beam, normalement, il fait aucun buzz, aucun buzz. C'était sûr, il peut rien me faire. Allez, s'il te plaît, faites que son que ça me retouche pas. C'est à combien de PP, Song? Enfin, combien de sa précision? 55 de précision, il touche l'enfoiré! Frère, moi j'ai 85, je touche pas! Mais c'est dinguerie de toucher deux fois Song! Ok, est-ce que je peux taper pour une fois? Ou non, j'ai pas le droit. Merci! Merci! Une fois! Putain, il résiste. Je peux taper 5 fois? Non, ok. Non, ok, c'était... Non, ok. Il résiste. On va faire des surfs, hein, que voulez-vous que je vous dise? Allez, voilà. Pourquoi se prendre la tête? Je vous pose la question, en fait, hein. Oh, jure, il m'a filé vol! Oh, c'est un bon, enfin. Et j'imagine que si je bats la reine d'après, j'aurai le truc pour voler même sans Pokémon vol. Ok, ça tue. Ah, let's go, il y a la ville. On va soigner le Pokémon en légende, déjà. Et je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur l'arène, en vrai. Hein. Bon, est-ce qu'on serait pas cette 6ème arène, les amis? Y a pas un Kecléon dans le coin? Récupéré, un truc comme ça? J'ai un souvenir comme quoi il y avait un Kecléon récupéré. Ah, le voilà. Oui, il faut qu'on aille plus loin pour récupérer le truc pour le voir. C'est bon, je m'en souviens. Jure, nouvelle route, j'avais oublié. Je crois qu'il y a des Absol dans le coin. Il y a des Absol sur cette route, ce qui est très bien. Soloshi! J'ai pas envie. Ah, putain, Trioxydre, il évolue super tard. Après, on chope un Rayquaza niveau 70. Ce sera le Pokémon le plus élevé de ma team. Du coup, toute ma team sera niveau 70, pour rappel. On capture Soloshi. Il résiste. Attends, il a encore dragon? Il a encore dragon, normalement, il résiste à surf. Il résiste. Survie. Pas grave, on en capture un autre, j'en ai rien à foutre, c'est bon. T'avais ça, un Nuzlocke familial ici, on se prend pas la tête, hein. Oh! On parlait du loup, ce bon vieux Absol. Du coup, il est quoi? Il est. Ouais, il doit être bas de ténèbres. Putain, vous êtes chaud, bad prime. Oh, Pokémon Prime, c'est cool. On va faire beat up, au moins on est sûr, on le tue pas. Oh, c'est vraiment de la merde. Oh, c'est vraiment de la merde. C'est trop nul. Attendez. Parce que là, s'il me fait un coup critique, j'ai perdu, en fait. Que vous... Voilà, on rigole vraiment à moitié, en fait. Vraiment, là. Hype train, ok. Quoi? What the fuck? Je vais emmener Absol au cas où, parce que j'ai peur, là. Ok, caca, transforme-toi. Je sais pas si les types d'Absol peuvent résister à Hype train, mais ça me ferait plaisir. Eh ben non, il était faible. Casse les couilles, putain. Bon, on perd métamorphe. Sur une capture d'Absol, hein. Vous vous rendez compte? Allez, Solashi, je m'en bats les couilles. Donnez-moi un Pokémon, j'en ai marre, les frères. Ah bah, il est faible. Il était faible. Bon, niveau 39, au moins, j'ai un Golé, c'est cool, ça. Je vais reprendre Poudre Dodo à Golé. Comme ça, ce sera plus simple pour capturer un Pokémon, quoi. Oh, comment ça, imposteur, jure? Peut-être un imposteur using... Ah, c'est clonage! On lui retire Gigadrain. Peut être un stoller de fou, en vrai, hein. Je vais le mettre en premier, il a une bonne défense maintenant, du coup ça devrait le faire, mais... Attends, je regarde un petit peu. Même pas, hein, il a une défense moyenne. Après, il a plus de PV que l'autre, mais il a une défense moyenne, hein. Ok, Absol. Oh, let's go, je résiste, je savais pas. Et je vais le one-shot, c'est super efficace, le type sus. Oh, let's go, je one-shot pas. 1, 2... Nikta! Allez, rentre, je t'en supplie. Nique ta... Oh, casse les couilles.
C'est trop une dinguerie, frère. 3 Pokéballs, 10% de ses HP, paralysé. C'est un Absol, les gars. C'est pas un oh-oh auquel vous posez la question. Hein. Oh, ça casse les couilles de devoir acheter des Pokéballs pour un Absol de merde, là, comme ça, là. Allez, salut Métamorph. Il n'aura fait aucun combat. Allez, on va retenter les captures, parce que dans tous les cas, maintenant, j'ai pas le choix. Parce que avec 2 Pokémon, je vais me faire des boîtes à l'arène. Allez, welcome back. Mais nique ta race! Un crit? Ah, paralysé. Oh, il dort, let's go. Bah là, il y a qu'à envoyer des balls, en fait. Hein, je peux rien faire. Hein. Pas très drôle, merci. Merci! Merci! Je sais comment on va l'appeler, ça, il n'y a aucun doute dessus. Allez, hop. Ouais, route 126, ici, ok. On va le capturer, on dit que c'est le Cléon de la ville. On dit, voilà, parce que si je capture pas celui-là, ce sera lui de la ville que je capturerai, ça changera rien. Il est quel type? Il est type. Let's go, Kecléon dans l'équipe. Voilà, comme son type, on va l'appeler type, c'est rigolo. Est-ce qu'il y a une nouvelle route ou pas, les amis, là, juste pour savoir si je peux... Là, j'hésite, en fait, je me dis, est-ce que je fais les dresseurs de la route, ou est-ce que je vais direct affronter l'arène? Parce que je suis niveau 39, je pense d'être overlevel sur tout le monde, là. Allez, arène vol. De toute façon, avec les mini-dresseurs, je pense que je vais arriver à la championne niveau 41. Je pense, hein. Enfoiré de merde. Oh, putain de merde. En plus, il résiste, le fils de chien. Fight dance, ok. Je sais que je suis faible au type dance maintenant, je savais pas du tout. En vrai, Golem, même s'il est faible, il a une bonne défense, il devrait tenir, j'imagine. Ok. Oh, il baisse mon accuracy, le chien de merde. Oh, le con, je vais tellement rater. Mais voilà, c'était sûr. Putain, mais quel Pokémon de con, lui, en face, là. Et voilà, il va niquer toute ma... Oh là là. Oh, jure, je touche. Oh. Let's go, je touche. On va soigner en légende les Pokémon là parce que j'ai pas des, des soins infinis. Eh t'as, il m'en reste des combats hein. Putain, c'est un combat double en plus. Oh là là. Surtout. Le type gueule, c'est super efficace contre plein de types hein, franchement. Non, je te jure, elle me fait mal au crâne, ça va être cette arène. En fait les combats doubles dans ce jeu de con me font mal au crâne. Carré. Take down, il est mort. Je sais même pas pourquoi. Allez, championne d'arène. Du coup, je crois que son type à elle, c'est le type Song. Ça me paraît évident. Hop. J'espère encore une fois que le premier Pokémon de cette belle dame ne sera pas trop chiant, histoire que je puisse setup mon Absol. Et si je peux setup mon Absol, les gars, c'est win, hein. 5 Pokémon, putain. Ok, Ludicolo, niveau 29. C'est moi où il a mis le terrain dansant. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Normalement, je one-shot tout le monde. Oh, let's go, je one-shot, coup critique. Enfin, on fait une arène sans avoir à douiller. Oh, quel bonheur. Depuis la deuxième arène, c'était pas arrivé. Enfin, je peux faire une arène sans pisser du sang. Non, ça fait plaisir. Je sais pas du tout où c'est la suite du jeu, par contre. J'imagine que c'est par là, c'est la suite de la route. Frère, tous les dresseurs qu'il y a, la vie de ma mère. On va les faire un par un, parce que les combats doubles sur ce jeu, c'est débile. Il est pas faible, mais il meurt quand même, parce que FDP est exceptionnel. Je fais tous les dresseurs, les gars, hein. Je pourrais les skipper, mais faut qu'on prenne en niveau. Parce que c'est limite, les arènes, elles sont super dures, on prend en niveau quand même. Genre, dans quel but? Jure, il y a le safari! Let's go! Allons capturer un Pokémon. Bon, on prend les Pokémon de zone, forcément, les gars, c'est peur que safari. Ah, mais il faut des Pokéblocks! The Lilikov Contest Hall. Pourquoi tout complexifier comme ça? Voilà pourquoi dans ma tier list Pokémon, je dis qu'Emeraude, c'est de la merde. Merde, je crois qu'il résiste à Sinky. Nice Slash. Oula, je vais prendre Tarif. Va changer, puisque là, ça devient dangereux. Là, ça devient très dangereux. En plus, toxique, c'est empoisonnement grave. On va prendre BBC, hein. Même pas, tu m'as... Aïe! On se calme. On est où? Un jour, il y a les concours. Comment, j'ai grave la flemme? Aïe! Ah, lui, il veut se battre. Lui, il a grave envie de se battre. Ok, et c'est ici, genre, on peut voir les nouvelles routes sur le panneau. Oui, voilà, ok. Ok, bah du coup, c'est une nouvelle route ici, nouvelle zone. Oh, un petit koala, mais il a pas d'évolution, lui, Kumala, non? On va le prendre. Je jure que j'aime bien. Fluffy Dream. Oh, il a des types stylés en plus. Allez, tu rentres! Tu rentres! 1, 2, 3. Oh, dommage. À ça d'être le goût de ça. Oh, en plus, il est chiant. Oh, mais c'est quoi cette dinguerie? Je peux pas le capturer. Bon, allez, hop, on envoie la coupe un ball. Et si ça marche pas, on va en récupérer une autre. 1, 2, 3. Oh, le goat! On l'appelle Goat. Le Pout. Le Pokémon of the Year. Je regarde un petit peu tout ce qu'on a. C'est quoi ça? C'est le musée, non? Oh, j'ai mon fossile. C'est mon fossile ici, non? Attendez, attendez, c'est où pour le fossile? Il veut quoi, lui? Je veux mon fossile, moi. Je veux mon fossile. Oh non. Attendez, 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 attendez. Non, voilà, on fait en avance rapide parce que. Ah.
Ok, c'est bon, excusez-moi. C'est où pour les fossiles? À Mimir. C'est une ville, Mimir? Kélian, t'es beau. Ça ne me sert à rien d'être beau, je veux savoir où est-ce qu'on trouve le fossile. Première ville du jeu avec une arène. Pourquoi on me l'avait pas dit avant? Vous me l'aviez jamais dit, bande de chiens? Attends, mais j'ai pas revenir en arrière et tout, là, ça va être long. Ah, mais c'est le centre commercial derrière, je suis débile. Bah, allez, vas-y, affronte-moi. Viens m'affronter. Brice a 4 Pokémon, j'en ai 5. Niveau 31, je vais te bouillaf, tu m'entends? Il est guise, je te slash. Oh là là, je suis trop fort! Ludicolo. Ok, Ludicolo est envoyé. Il est type plante. Ou et dense. Let's go. En fait, ça paraît évident, le type plante est faible à slash, puisque tu coupes la plante. C'est vrai qu'il a... Il a fait évoluer. Oh, mon starter, il est mort, sa grand-mère. Water Silly Song, il a vraiment des types de merde. Prime Sub. Oh, let's go. Fossil, c'est à Mérouville. Je sais pas si c'est la première ville ou pas. Attends, on va regarder. Mérouville, ça ne servait à rien. Hein. Mérouville. C'est la première. Ah ouais, c'est la première. T'as un bouton fly sur ton menu. La dinguerie. Comment c'est possible de passer à côté de ça? Non, c'est trop un truc de fou. Allez, Mérouville, on y va. Comment c'est... Oh, la dinguerie. C'est où, les gars, pour le fossile, maintenant? Je veux mon oiseau, moi. Ah, fallait lui donner la lettre. Et il donne le multi-XP. Ah, merde. En vrai, ça me sert le multi-XP. Petit message en bas, à gauche. Non. En bas, là. Attends, quoi? Ok, c'est vraiment pas en bas, à gauche, bande de menteurs. Drake Bird, je crois que c'est là que j'ai. Mais si, moi, j'ai le Bird. Ah, c'est Dino Bird. Noël, il me faut de l'aide. Noël, là, j'ai besoin d'aide, là, j'ai mal au crâne. Noël, là, je me sens mal. Si c'est les Pokémon de la BG, il faut plusieurs fossiles. Ah, bah attendez, on va en récupérer plusieurs, y a pas de soucis. Ça peut être marrant, en vrai, de faire monter des vidéos comme ça. Ah, merde. Bon, j'ai pris deux fossiles au pif. Alors, attendez, on va tous les essayer, du coup. Drake Bird. Jure. Ok, c'était celui-là. Du coup, j'ai eu un Drake Bird, comment on va l'appeler? Oh, c'est un des ceux que je préfère. Je l'aime beaucoup, celui-là. Error, parce qu'il n'aurait jamais dû revenir au monde. Il est quel type? Silly, ancien, électrique. Oh, il a un type sympa en plus. Hop, centre commercial en légende. Je sais pas si j'ai des choses intéressantes à acheter ici. Jure, ils vendent des objets strat. Focus Sash, Rocky Helmet, Life Orb. Wesh, la dinguerie. Ça peut me servir, le Rocky Helmet. On va le mettre à gauler. Mais c'est un truc de fou, hein. Eh ben écoutez, on va capturer un petit Pokémon dans l'eau, parce que c'est une nouvelle zone. Et on va faire l'histoire. J'imagine qu'il faut aller à droite, c'est ça? Faire quoi, en fait, les gars, là? On va prendre un Pokémon par là, déjà. Jure! Hypocéan, carrément! Il est voulu en quel niveau, Nidoran? Attends. Écaille Draco. Attends, je crois qu'ils en vendaient au centre commercial. Ok, Nidoran empoisonné, on est bien. Faut juste faire gaffe, parce qu'il va mourir très très vite, maintenant. Quand tu penses que tu bats quel pourcentage du chat à la bagarre? C'est beaucoup d'enfants, du coup je pense beaucoup de... Comment on l'appelle? Faut un nom de roi. On va l'appeler Macri. Quand le Mac débarque, c'est la panique au Far West. Ah, là voilà, la star, let's go. Macri évolue. Give, on va le give à BBC. On va give le leftover à Golet. Et on va give le life orb à... Oh, avec le life orb, il va taper tellement fort. Ça va être une dinguerie, hein. AFDP. On va doper ce bon vieux Hipporoi. Shoot 160. 160, c'est quoi cette dinguerie? Attends, dans l'ordre, on a quoi? On a les deux repères à faire, la 7ème arène, régler les bails avec Groudon et Kyogre, 8ème arène, la ligue. C'est ce qu'il nous reste à faire. C'est ici le Mont Mémorial, les gars, non? Ouais, je pense que c'est là. Oui, Mont Pyre. Ah, mais c'est une nouvelle zone ici. Jure. Skelenox. Ok, on prend. On va direct envoyer une hyperbo, là, avec un peu de chance. Let's go. Comment on l'appelle? Joueur de LOL, on va l'appeler. On va l'appeler joueur de LOL, ça lui va très bien. Moi, je vais affronter la 7ème, la 8ème arène, capturer Rayquaza, parce que là, le tout devient un peu long, là. Là, on est à 14 heures de jeu et on commence à avoir mal à la tête de cette région de merde. Est-ce que je peux les affronter un par un? Oh, comment j'ai la flemme de combat double. Ah, ça aussi, faut en parler, hein. Allez, Dragon Pulse dans ta... Attends, il est pas fait, lui. Oh, il a deux insolents lourdos de deux types différents, le con. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah, il a un Zoroark. C'est sûr à 100%. Il a un Zoroark. Oh, mais je suis trop fort! Je suis trop fort! J'ai prédit le Zorua! Non, mais j'ai un cerveau. Pour l'instant, lequel est ton type préféré? J'aime bien le type fluffy, il est marrant. T'es qui en face? On dirait Giovanni, frère. Ah, ok, non. C'est contre le chef Aqua. On va bien se soigner en légende. On va garder Absol en premier. Ah, mais y a pas de combat! Petite bite, hein, pour être honnête. Je peux toujours pas rentrer? Je dois aller où, les gars? On doit retourner au mont, là? Aïe! Allez, repère magma. Après, c'est repère à quoi? Et après, je crois que c'est 7ème arène. Ou je crois que t'as Rayquaza avant, je sais plus. Ah! Ok, oui, c'est bien ce qui me semblait. Oh, le combat double de con. Non, mais voilà, je le dis. Les mecs qui en commentaire sont ultra méchants comme ça. Pour être honnête, je pense même pas qu'on le fera, hein. Mais on affronte jamais le chef de la team Magma et Aqua dans ce jeu? Ah si, merci, c'est ce que je me disais. On va faire une Sword Dance, je vais te faire retourner chez toi, toi tu vas voir. Une Sword Dance, une pas deux. Il m'envoie qui? Grayana, rien à foutre. Une pas deux, je te dis. Et normalement, je vois un shot tout le monde, il est que angry. On va mettre slash, au moins je peux peut-être faire un crit, même s'il résiste. Ok, c'est bon, c'est ciao.
Oh bordel. Ok, ça va. Putain, il résiste, hein. Il utilise une potion. Liquidation. Ok, il me one-shot pas, c'est sûr. Sucker Punch. Ok, il est neutre dehors. N'ose t'en faire. En fait, j'ai très peur qu'il soit plus rapide que moi. Oh, c'était sûr. Oh, le fils de pute. Ok, je tank, c'est bon. Crobat, c'est dehors. Il tank pas, je trouve, le FDP. C'est le concept d'Absol, hein. C'est... Il tape fort, il est rapide, mais il tank pas, hein. Allez, hop, fly, on retourne. On retourne ici, de souvenir. Voilà, exact. Et il me semble que le repère à quoi... Ah, c'est ici, ok. Ok. On a qu'un plongé. Allez au repère à quoi? Ok. Des Pokémon sauvages dans le repère à quoi? Je pense qu'il y en a dans l'eau, non? Je vais me faire. Attends, je vais me récupérer un Pokémon. Ouais, non, la flemme. Même la flemme de battre les sbires. Si je peux les skipper, je les skip. Ah! C'est le Master Ball ici, je m'en souviens. On s'en souvient, let's go! On va pouvoir récupérer Rayquaza. Oh, électrode! Je veux, hein! Angry Boomer. Oh, les fils de pute. C'est à cause du 7,8 Too Much Water. C'est un mème qui est un peu vrai. Il mérite pas. Ça mérite pas de le descendre aussi bas juste pour du Too Much Water. On va l'appeler Boom. Ah, let's go, enfin. Est-ce qu'on a enfin le droit à un peu de bonheur ou pas là? Team chat ou team chien? Team chat. Je préfère les chats de très loin. Genre, les chiens, ça sent trop, ça laisse trop de poils. Allez, dehors. Et notre boss est déjà parti en direction de la cave en dessous de la mer. Ferait mieux de chercher la grosse ombre noire à côté de Lilikov. Mais on n'a pas plongé, comment on y va? On n'a pas plongé. J'esquive tous les dresseurs, j'espère vraiment que je suis au niveau. Attends, quand avec Wotan dans l'histoire, bah là on va faire 7ème arène. On va se battre avec Pierre contre la team Magma. Après on va faire les bails avec Kyogre. Après ça on va réveiller Rayquaza. Rayquaza il va calmer les deux bouffons. Et une fois qu'il les aura calmés, on va faire... on pourra le capturer. Et une fois qu'on l'aura capturé, on pourra faire 8ème arène. La ligue. Ok, ça commence comme ça, d'accord. Petit combat double de con, ok. Peut-être que c'est une arène de type space. Oh putain, oui, j'ai l'impression que c'est bien ça. Merde, qu'il est type fée. Il est type fée, j'avais oublié. Il est type fée, ça paraît évident. Et il résiste à slash. Oh là là, l'arène de con. What FDP doux. Il va faire prime sub sur lui. Et lui, il va faire brin sur lui. Ok, bien. Et j'ai l'impression que Prime Sub, c'est super efficace contre Space. On est bien, hein? Putain, je crois que l'affrontement est malheureusement inévitable. Hein. Oh, jure! Il est évitable. Et c'est quoi cette arène du Shaitan? Vraiment, Non. Ok. J'ai rarement vu une arène aussi chiante d'accès, hein, franchement. Ok. Ok. Hein? Et le champion, c'est pas un cow-boy? Pourquoi il y a un cow-boy ici, les gars? On va envoyer à Among Us, je pense que c'est le plus safe, on va envoyer en premier. Clay! Attends, Clay, c'est Bardan? Quoi? Du coup, c'est bien l'arène de type Space, mais c'est plus un combat double, c'est un combat simple contre Bardan. Il y aura les gonds, ok. Il est type Gun. Il est type Oshio. Fighter Right. C'est quoi ce type de con là, mais? C'était pas type Space de base? Et si, c'est quand même un combat double! Oh le fils de chien! Attends, là je dois focus là, mon cerveau il est en train de cramer. Type Gun. Ok, il fait vent. Il a fait Twitch, ça me va sur Error, pourquoi pas. On va faire Ancient Power sur lui, j'imagine. Et bah il résiste, c'est de la merde. Aïe! Wesh! Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ce fils de chien? Mais wesh! Il vient de tirer un coup de fusil à pompe sur mon Pokémon, j'ai pas rêvé. Ok, Brin, il est touché. Il meurt pas, le fils de chien. Somnium. Endors-le. Putain. Putain, mec, ils sont en train de décimer ma team, frère. Le pauvre, t'es mort. Le pauvre, t'es mort. Ok, on va envoyer FDP. Allez, viens ici, fils de pute. Là, on va se battre, là. Lui, on est sûr, au moins, il est plus rapide, il le finit. Brin, il le finit aussi. Ok, il perd potion, on s'en branle. On s'en fout. Ils seront morts au tour d'après, on s'en bat les couilles. Brin, ok, il va prendre tarif. Bien. Mais lui, il faut qu'il meure, parce que lui, il a une attaque trop forte. Il a une attaque qui a 150 de puissance, je crois. Duralégon est mort, ok, cool. Normalement, Frison ne me one-shot pas. Prime sub. Il meurt pas. Il fait ro. Wesh. C'est quoi ces attaques tarlés fous là? Ok, Garyag l'envoyé. Non mais c'est trop flippant, mais c'est quoi cette team de zinzin? Toi tu vas te prendre un shoot de ta grand-mère la pute, est-ce que tu m'entends? Ok, BBC t'arrive. Vu qu'il est type États-Unis, ce fils de chien n'est pas infecté par le type Gun! Mais vous vous rendez compte? C'est une dinguerie ça par contre. Fils de chien, mais non, mais un coup critique maintenant! Vent, ok. Dis-moi que Vent, ça peut toucher. Brin, vas-y, ok. On lui met des dégâts.
coup critique. Y a une justice dans ce putain de monde. Oh Dieu merci. Tu mets un coup critique, tu prends ta confusion, fils de chien. Il a décimé Bibis, putain. J'ai tellement de Pokémon morts, frère. Heureusement, y'a Rayquaza juste après, quoi, franchement. Il prend Midlife. Vent, ok. On s'en sort bien, la vérité, on s'en sort bien, on aurait pu tout perdre. Sachant que c'était un combat double, ça aurait fait très très mal si on perdait tout. Hein. Et on a la suite pour avoir plongé du coup. Faut que je bouge ma team et que je fasse une petite session de dopage avec les Pokémon qu'on a récupérés. Salut mon pote. Putain, il aura même pas fait un seul match. Il était un peu naze en vrai. Hein. En vrai, on gagne Kecleon, Electrode et Skelenox. Ils étaient meilleurs lui, mais c'est pas des Pokémon de merde. Allez hop, putain, Froussardine. Allez, Skelenox dans la team, Electrode dans la team. Tenez, pendant qu'il évolue, je vais mettre un coup sur le visage les gars. Let's go, il y a le tissu. Oh là là, premier Nuktu noir de ma vie, ça fait un peu plaisir en vrai. Let's go. Ah ouais, énervé. Ils disent quoi là? Ils veulent faire un gangbang? Je vais me mesurer à vous, mais calmez-vous d'abord. Déjà, on va envoyer Boom, Macri et FDP. Là, j'ai envoyé ma ligne offensive. Allez, venez vous battre, bande de putes. Venez vous battre. Ah mais c'est du 1 contre 1. Ah bah oui, bah en plus il se la pète pour... Mais wesh, c'est bon, ok, allez slash, au revoir. Ils me font juste perdre mon temps là avec leurs 3 Pokémon de merde. Hein. Ça va pas? On va envoyer Macri en première ligne, ensuite FDP, ensuite boum. Allez viens, viens m'affronter, viens te battre. Il va se prendre un coup de gun dans sa daronne, mettant que Skarmory et Grun, ok. Alors Fenard, il a même pas besoin de gun en vrai. Hein. Alors toi tu prends un shoot! Fusil à pompe! Non, le sound effect est trop drôle. Aïe! Est-ce que Metang il peut taper un jour ou pas là? Bien! 44, ça commence à être au niveau là par contre. Oh, on va prendre tarif lui hein. Lui il meurt pas. Oh! Dragon Pulse. Il résiste! Ah ouais? En vrai, un peu flopesque la team Magma en Sar. Non, je jure que l'animation, elle est trop drôle. Et du coup, je vais au Chenal 127 pour démonter le membre de la team Aqua. Et après, ils vont arrêter de faire les Mongolito, il y aura Rayquaza qui va venir. Ok. De toute façon, dès qu'on a Rayquaza, le jeu, il est gagné, les frères, hein, concrètement. Hein. Chenal 27, ok. C'est ici que je dois aller? Je crois que c'est là que je dois aller. Hein. Le jeu est quand même beau hein, sous la mer. Hein. Ah, mais putain, mais je me demandais ce que je devais faire. Mais faut que je monte à la surface, en fait. Je suis débile. Allez. Je suis le GOAT des énigmes, vous m'entendez ou pas? C'est compliqué mine de rien. C'est pas un jeu facile Pokémon, hein. Faut faire des énigmes et tout. En plus, je crois que j'ai niqué l'énigme. Allez vous faire foutre, on recommence. 1 de IQ, moins 10, mais niquez vos mères! Non mais allez vous faire foutre! C'est en train, oui, ça garde des énigmes d'enfants. Oui, je galère sur une énigme pour des gosses, oui, je vous emmerde. On fait hop, c'est bon, j'ai... Je suis le GOAT. Le GOAT des énigmes, voilà, je le dis. Oh! Earthquake, c'est bien, c'est une bonne CT ça, merci. Hop, on va préparer notre équipe en 2 spi. C'est pas grave, mon beau Skellix, je t'en veux pas. Et c'était son réutilisable dans ce mode? Je ne sais pas, je crois que oui. Allez, c'est ciao. Aïe. Aïe! Ça va pas? Lui, les gars, je sais ce que je vais faire de lui. Hop, on envoie Macri. Macri, il va sortir son fusil à pompe, là. Hop, il arrive, il est sur le terrain. Ok. Shoot. Non, le sound effect est trop drôle, la vie de ma mère, allez, hop, c'est dehors. Coup critique en plus, hein. Genre, il a tiré dans la tête, hein. Allez, Kyogre, grosse taille, il va aller se frapper contre l'autre con, là. Rayquaza, il va calmer ses deux golemons d'un coup. Non, je suis désolé, c'est des cons. Dans la 4G, tu vois, c'est Jalga et Palkia. Tu sais, ils se tapent pas sur la gueule, ils disent pas, ouais, moi je veux plus de temps, ouais, moi je veux plus d'espace. Là, ces deux trous de balle, ils se tapent tout le temps sur la gueule. Tout le temps, faut qu'il y ait Rayquaza qui vienne. C'est une dinguerie, frère. Même votre level légendaire, ils sont cons. Ils veulent étendre leur territoire, et ils se font calmer par un grand de leur cité. Allez, allons réveiller ce bon vieux Rayquaza. Et voilà, qui voilà-je? Encore les deux fils de chien qui se tapent sur la gueule. Et là, il y a moi, la poucave. Fais ouais, tonton, réveille-toi, là. Et la pierre, il voit un enfant de 10 ans. Qu'est-ce qu'il se dit, cet enfoiré? Va réveiller le Pokémon légendaire qui peut te bouffer. Vas-y, va le réveiller à 11 ans. Enculé, va. Ok, let's go. Oh, les GOAT, ils ont tout retiré. Les développeurs ont tout retiré, mais what the fuck? Quoi? Attends, mais je rêve.
Mec, mais what the fuck? Mais what the fuck? Ils ont tout retiré, d'accord. Gratuit comme ça, merci. Ah mais non, c'est la deuxième fois qu'on le revoit. Ok, je m'en souviens, c'est bon. J'ai rien dit, c'est la deuxième fois qu'on le revoit qu'il y a ça, c'est bon. Ok, il se réveille. Il va réveiller les Gaulmont en deux spies et après on le capture. Il arrive comme un patron. Qui c'est qui fout le bordel dans ma ville? El Padre, frère. Il y a un respect qui émane de ce plan qui est terrifiant. Maintenant, on va retourner au Sky Pillar en légende. Oh, il y a des Pokémon dans le Sky Pillar. Il est quel type d'ailleurs, lui? Est-ce qu'ils ont mis un type de... Non! No way! Comment ça, mon ref? Putain, Munja de type Sans. C'est trop dur, vous rendez pas compte. Hein. C'est une question de confiance en soi, les amis, en fait. Allez, viens m'affronter! Oh, son entrée est stylée, hein. Non, son entrée est stylée. Niveau 58! Petite bite! Ils ont nerf Rayquaza! On va l'appeler Daddy. Puisque quand il arrive sur le terrain là, avec son énorme bite, il calme Groudon et Kyogre direct. Allez hop, 8ème arène, on va y aller en légende avec Rayquaza là. Il est type Emeraude! Tu l'avais prédit, Johan! Sortez avec les Roya! Allez, LOL player, on y va! Five Knight! Genre Zerma, FNAF là? Quoi? Attends, à la place de Confuse Ray, j'en bats les couilles de Confuse Ray. Zerma vient d'apprendre FNAF là comme attaque, mon LOL player, ok. Quoi? Ça fait pas ça. Alors toi, tu vas goûter à mon Rayquaza tout shiny. Problème, c'est que j'ai rien de stabé du coup en fait. J'ai rien de stabé. Je connais aucune attaque émeraude. Je suis le GOAT. Je suis le GOAT des énigmes. Voilà, je le dis. Du coup, c'est la reine quoi? On sait pas. Arène glace, bah de base, c'est la reine O. Ruan Kishibe en personne. Ok. Colomar, Colomar. Colomar type crabe angry. Dragon Pulse. One shot, ok. Let's go. Mec Daddy, il a un buzz. Let's go. Ok, il avait une team full crabe. C'est vraiment le pire type du jeu. J'espère qu'il se soigne, il ne se soigne pas. Au revoir, c'est ciao. Crab Rave. Il nous a filé Crab Rave. Et là, on fait la ligue. Exactement. Et pour être honnête, si je perds à cette ligue, soit on arrête le Nuzlocke, soit on arrête. Mais il y aura un des deux. Ah, let's go, on est arrivé. On peut climb la Waterfall sans apprendre Waterfall, et ça, c'est beau. Oh, cette musique, je l'avais oublié. Oh, la musique de Zinzin. Oh, le fils de chien, il veut m'affronter, j'avais oublié lui. Temé arrive. Aïe! Il résiste, sa grand-mère, il résiste. Du coup, il est peut-être... Trance Right, Rapid Dash is of Farming Power. Oh, l'attaque de fou. Ok, c'est neutre. Oh, ok, lui il a une team LGBT, c'est ça? Je crois que c'est ça le thème de la team de Timmy. Un petit Roserra, bien évidemment. Il a une belle team, hein, mine de rien. Faut que j'apprenne séisme à mon Rayquaza. Galam, Sharp, il est bad. Est-ce que les trans résistent aux dragons? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, lui, il est mort. Milobelus. Ok, il est quoi, lui aussi? Il est water? Ouais, water gender, ok. J'ai l'impression que le type émeraude est vraiment très fort, par contre. Hein. Je pense qu'il a un trilliard de résistance. Hein. Genre, c'est quoi la faiblesse de l'émeraude? Même dans la route victoire, il y a de l'eau. Mais c'est une dinguerie, quand même. Me dites pas qu'il n'y a pas too much water, alors que même dans cette route victoire de merde, il y a de l'eau. J'ai mes gym badge, ok. Quoi? Attends, c'est lui le premier maître de la ligue dans Emerald? Il veut quoi, lui? Il envoie Spinda. Normalement, j'ai pas à me soucier sur la vitesse. Rayquaza est super rapide. Et je pense qu'avec un attaque spéciale plus, je one-shot tout le monde. 50$ billet. Oh, le fils de chien. J'en étais sûr, c'est comme Swagger, le fils de pute. Te blesse pas. Je t'en supplie, Daddy. Putain! Oh, oui, c'est... Dieu merci, Spinda est un Pokémon de merde. Hein. Dragon Pulse, ok, t'es mort. Il résiste, l'enculé. Là, normalement, c'est un sweep. Normalement, personne me tank. C'est le mec de type Silly, d'accord. Il résiste, mais c'est une dinguerie. Dieu merci, mon Rayquaza est un banger, quoi, mais il résiste, hein. Ouais, ok, c'est vraiment ça, c'est vraiment le type Silly. Earthquake. Let's go. En fait, moi, ce qui me fait flipper, c'est que je ne connais pas les faiblesses de l'émeraude. Et qu'on aura beau dire, oui, mais t'inquiète pas, l'émeraude, c'est aucune faiblesse, j'en ai aucune foutre idée. Pour l'instant, les gens ont raison. Salut, TBG, on est là, hein. Premier membre du conseil des 4. Dehors. Oh là là. Je suis un peu en stress en toute honnêteté, les gars. Ok. Peut-être que c'est Gamer. Oh putain, je crois que c'est le conseil 4 des gros geeks. C'est le conseil 4 des gros geeks. Toi, tu vas prendre une douche. Oh, il va prendre une douche, l'enfoiré. Oh, le fils de pute. Il va envoyer Freddy. Ok, toi, tu prends des douches direct. Il est plus rapide. Il a farceur. Fils de chien, il a farceur. Il y a un Pokémon qui va mourir. Un Pokémon va mourir, je sais pas qui, mais un Pokémon va mourir.
Je vais me prendre un Five Knight. En fait, soit je one shot tout le monde, soit mon Macri est mort. En gros. Il est 16 gamer, ok. Super efficace. Let's go. Gamer Fluffy. Ah merde, je crois que Fluffy ça résiste à l'eau. J'ai dit de la merde. Je suis un gros menteur. Il est totalement reverse. Je crois que reverse, c'est les choses où je suis censé faire mal, font pas mal en fait. Dans le doute, tu te prends une balle. Il la protège, le fils du chien. Adieu. Adieu Macri. Putain! Il s'est tellement bien battu. Allez, on va envoyer Daddy là. Quoi? Pourquoi il s'est pris le Favnet lui aussi? Ça attaque les deux membres. C'est une dinguerie. Switch, non, tant pis. Yo! Ok, Dragon Dance à la place de... En vrai, j'ai pas besoin d'extreme speed. En vrai, j'en ai pas besoin, c'est que 5 PP en plus. Eh, Daddy, il a vraiment du buzz, hein. Ils ont tous leur talent caché, par contre, c'est une dinguerie, hein. Ce bon vieux Hipporoi, bordel. Ah, Macri, c'était bien défendu. Malheureusement, il s'est pris Freddy, quoi, hein. C'est lui, la ligue? Attends, vous êtes sûr, c'est le conseil 4 de Emerald, ça? C'est qui, frère? Mais non! Mais c'est le champion d'arène de la 9G! Du coup, il est type normal, il est quoi? Golem, ok. Boring, ugly, rock, ok. Il est boring de A à Z. Une Dragon Dance, une! J'en fais une deuxième, il me reste que deux bébés. Merde, c'est la sauce. On va faire un Earthquake déjà, qu'il était faible, c'était sûr. Oh, il a pas Stordy! Ok, let's go. Oh, le dragon est super efficace contre le type boring. Bah, c'est win, hein. Mec, le type Emerald, c'est trop fort! J'ai tellement de Pokémon qui sont morts en 20 heures de live! Je suis. Trop heureux! Avec de la bête pendant que ses parents sont pas là. Dehors! Il m'appelle Dadir et Quadza, ouais! Putain! La vie est belle, les amis. Quoi? Mais non! Mais non! Tu te fous de ma gueule! Le fils. Ah! Le fils de pute, il a un dito! S'il a un scarf, je suis mort! Ah, mais non, il est type Emerald. Il a fait deux Dragon Dance, hein. Je pense pas, il me one shot. Impossible, il me one shot. Il me one shot pas, il est mort. Oh, j'ai eu trop peur de son dito de merde. Oh, sa grand-mère, mais ça va pas de faire ça. Oh, il envoie à Mongus. Bah, je pense que le reste, c'est un sweep, hein. Mec, imaginez, le maître de la ligue, c'est Sans. Ça n'a aucun sens. Let's go. Bon, allez, plus que Pierre et Sewin. Ce Sibaka was ejected. Ils ont pété un pont, les développeurs. Hein. Allez. Viennent te battre, Marc. Oh, le fils de pute! Il va avoir une team de cons. Ok. Ok. Dragon Dance. Dragon Dance. On va essayer de le one-shot directement. Earthquake. Ok, donc Riposte, ça change l'efficacité d'une attaque, car Baby est faible à tout. Ah, et du coup, il a plus aucune faiblesse. Ok. Je viens de comprendre. Ça, c'est bien. Non. Le fils de pute! Mais à quoi est faible Sans? Mais comment je suis censé faire? Ok. Mais à quoi est faible Sans? Let's go! Il est immunisé au poison, ma bite! Let's go! Heureusement que je l'ai dans mon équipe, hein. Ça veut dire que tu peux littéralement ne pas battre. C'est un truc de fou. Allez, on va envoyer fils de pute. Allez, mon FDP, t'as tué un de mes Pokémon, mais t'es chaud, t'es fort, t'es grand. Sylvalie est type fée, je crois que c'est ça, ok? Hein? Il est type Emerald, l'enfoiré. Ah ouais. Quoi? Oh la singerie. Attends, quoi? Non, mais la FDP est mort, hein. Il a que multi-attaque et de type. Dragon Pulse. Oh, let's go. Heureusement, il a une défense de merde. Non. Boom est plus rapide, mais il va jamais lui faire assez de dégâts. Allez, s'il te plaît, frère. Mais c'est quoi ce type de fou? Mais, quoi? Il m'a rien fait? Il va tellement se soigner après. Putain. Let's go! Mais non, il va faire une guérison, ça change rien. On va essayer Swift. Oh, let's go, il en fait pas! Oh putain, il y a plus son type. Ok, mais c'était même pas son Pokémon final! Son Metalos, il y a son Metalos après. Mais je vais me faire brouiller. Et what the fuck? Ah! Frère, il a Deoxys! Mais ta gueule! Space Crab. Mais il a screen. Crab Armor, c'est physique. Et je suis faible au crabe! Mais comment ça, je suis faible au crabe? Crab Armor, c'est quoi cette attaque de con encore? Je crois que c'est perdu, les gars. Super efficace. Peut-être qu'avec un peu de chance, je peux le stoller si jamais il a rien de super efficace, mais j'y crois pas. Heureusement que j'ai une guérison. Ok, let's go, il l'a empoisonné. Genre là, il me fait un crit, je suis dans la merde, hein. Mais fils de pute! Et c'est même pas son dernier Pokémon, hein, il en reste après, hein. Le truc, c'est que s'il fait Crab Rave, je peux rien faire. Crab Hammer. Il a pas crit. Oh, nique ta mère, bah oui. Alors là, je prends un crit, c'est genre littéralement perdu. Si je prends un crit.
Nique ta grand-mère! Allez, tant pis les gars, c'est lose. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne verrai jamais le Panthéon de ce jeu. Le Nuzlocke est perdu. Que ce champion de ligue de merde aille niquer sa grand-mère. Au revoir tout le monde. Ciao.